Bonjour les enfants, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Bulle préfère la mousse. Voici Bulle et voici son ami Gloop. Bulle, c'est un petit poisson. Voilà. Alors, Bulle préfère la mousse, préparation et vérification de Ananis post-édition Ubisoft. Alors, on commence l'histoire. Bulle, c'est Bulle. Bulle glisse, plonge, puis remonte, se cacher dans les roseaux. C'est un petit poisson malicieux. C'est pourquoi la mère est en colère parfois contre Bulle, parce que c'est un petit poisson malicieux qui est plein de malice. Maintenant, c'est le printemps et Bulle préfère jouer avec Gloop. Gloop, ce n'est pas une tortue, mais c'est une petite grenouille. La petite grenouille est capable de faire ce dont il rêve. Elle sait sauter hors de l'eau et connaît le bord de l'étang. Pourtant, Gloop est incorrigible. Dernière couchée et toujours la première éveillée ce matin encore. Alors, voici Gloop, la petite grenouille, et voici Bulle, le petit poisson. Alors, ohé, Bulle, réveille-toi, gros paresseux, crie la petite grenouille. Bonjour, Gloop. Si tu veux, je peux te montrer comment sauter sur la mer. C'est Gloop qui parle. Alors, je n'y arriverai pas, je suis un poisson, je ne respire que dans l'eau. Moi, avant, j'étais un têtard. Je te ressemblais un peu. À présent, j'ai ceci, dit-elle, c'est-à-dire la petite grenouille, en tapant fièrement du pied. As-tu vu mes cuisses musclées? Hop, hop, hop! Gloop bondit de nénuphar en nénuphar. Alors, regarde ici, c'est Gloop qui bondit de nénuphar en nénuphar, suivi par Bulle. Bulle s'efforce de la suivre. Regarde! J'arrive à sauter maintenant. Bientôt, j'irai plus loin dans le bras de la rivière et je descendrai jusqu'à la mer. Bien sûr, c'est Bulle qui parle. Voilà le rêve de Bulle, voir l'océan. Et le petit poisson se demande si les algues sont aussi douces que la mousse de la mare. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. On va voir bien sûr la suite de l'histoire dans une autre vidéo. À très bientôt, mes chers élèves et mes chers enfants.